Alors bonjour et bienvenue sous cette nouvelle vidéo. Les gens ils craquent, ils en peuvent plus. Mais pourquoi il fait toujours ça? Il est relou. Donc n'hésite pas à t'abonner si jamais ce n'est pas encore fait. Je m'appelle Jonathan et puis j'ai envie de te dire, c'est bon, c'est fait. J'attends un peu, hein. J'attends que tu cliques pour qu'on soit tous synchro, tu vois. J'ai pas envie de te déstabiliser, c'est bon? Ok, donc passons directement au sujet de la vidéo. Comment devenir riche rapidement en 6 étapes? Eh oui, mon ami. Et non, c'est pas du bullshit, on n'est pas là, c'est pas le loto. Hein, je vais te donner des vraies stratégies concrètes que j'ai tirées du livre. Pas de mon chapeau, mais du livre. 12 jours de Eric Benzin. Ah, je sais que c'est pas la première fois que je t'en parle, mais il y a tellement de contenu dedans, mon frère. Je suis obligé de t'en parler. À un moment donné, voilà, le gars, il est passé quand même de 0 à 4,5 millions en 15 mois. Donc, si ça, c'est pas comment devenir riche rapidement, j'ai envie de te dire, je pense qu'on peut l'écouter, les gars. Donc, j'ai extrait les pépites pour vous et je vais le partager avec vous en 6 étapes, comment devenir riche rapidement. Donc, première chose, il faut que tu deviennes entrepreneur. Si tu es salarié et que tu veux devenir riche, tu t'es trompé. Ça n'a rien à voir. Là, si tu restes salarié, tu ne deviendras pas riche. Il faut que tu bascules à un moment donné, tu es obligé de basculer. Il faut que tu deviennes entrepreneur si tu veux devenir riche rapidement. Il n'y a pas de secret, ok? Ça, c'est la première étape, c'est la base. Au début, je n'avais même pas écrite, mais j'ai dit, je vais quand même en parler quand même, ok? Donc, première étape, être entrepreneur. Deuxième étape, vendre à des entrepreneurs. Tu veux devenir millionnaire, facture à des millionnaires. Quand je te le dis comme ça, tu te dis, c'est simple. Moi aussi, quand j'ai lu, j'ai dit, j'avoue, c'est logique. Eh ben ouais, parce que si jamais tu veux facturer à des gens qui n'ont pas d'argent, tu fais comment, tu vois? Donc forcément, quand tu vas facturer à des millionnaires, tu vas pouvoir facturer plus cher et donc du coup, bah, tu vas devenir millionnaire plus rapidement, tu vois? Logique, quoi! Troisième étape, il faut que tu saches exactement ce que ton client veut le plus au monde. Bon, les entrepreneurs, c'est pas compliqué, ils veulent plus de chiffre d'affaires. On va voir en tout cas, ou sinon avoir plus de liberté par rapport à leur taf. En tout cas, discute avec eux, avec ton avatar pour savoir qu'est-ce qu'il veut au plus au monde. Quatrième étape, créer une offre star. Alors, c'est quoi une offre star? Une offre star, c'est en trois critères, d'accord? C'est des conditions, même en trois conditions. Il faut qu'elle soit irrésistible. Alors, irrésistible, ça veut dire quoi? Promesse plus prix et les gens, ils pètent les plombs. C'est comme l'iPhone. L'iPhone, tu vois, ils font pas d'argument. Hein. Ils mettent l'iPhone, ils mettent le prix et tout le monde fait « Oh, c'est un truc de ouf !» Tu vois, ils ont jamais dit, ils racontent pas leur life, en fait. Donc, quand une offre, elle est irrésistible. La promesse, le prix, boum, terminé. Okay? Ensuite, il faut qu'elle soit ultra rentable pour toi. Okay? Donc, si jamais c'est pas rentable pour toi, bah, c'est pas la peine. Hein? Là, tu travailles pour gagner de l'argent. Donc, si ton offre, elle est pas rentable, laisse tomber. Okay? Et troisième condition, il faut qu'elle soit facile à livrer pour toi. D'accord? Si c'est compliqué à livrer pour toi, tu vas pas pouvoir prendre beaucoup de clients et du coup, tu vas pas pouvoir t'enrichir tout simplement. Et ça va être relou pour toi. Donc, du coup, ça fonctionne pas. Donc, il faut que ces trois points soient respectés. Ultra rentable, facile à livrer et il faut que l'offre soit irrésistible. Cinquième étape, calculez toujours vos marges avant de fixer le prix. Très important, il ne faut pas que tu fixes le prix puis après tu dis, voilà, j'ai organisé, je sais pas, moi, un événement. Tu dis, bon, bah, les gars, je vous facture tous 5000 euros. Tu dis, ah, c'est beaucoup 5000 euros et tout. Et quand tu commences à aller à avancer dans la préparation de l'événement, tu t'aperçois qu'en fait, tes limites, il te reste quoi, peut-être 200 euros par personne parce que tu n'avais pas calculé certains coûts, etc., etc. Donc, très important de calculer ses marges avant. Et la sixième et la dernière étape, vendez avant d'avoir créé le produit. Alors ça, c'est le classique. Mais voilà, il le rappelle et le gars, il a fait 4,5 millions en 15 mois. Donc, on va l'écouter, je pense. Donc, voilà les 6 étapes à suivre si jamais tu veux devenir riche rapidement. Concrètement, si jamais tu les mets en place et en plus, tu achètes le livre, je vais mettre le lien juste en dessous, comme ça, tu auras d'autres précisions pour pouvoir vraiment tout péter cette année. Eh bien, tu pourras tout péter, j'ai envie de te dire. Ok? Donc, c'est tout pour cette vidéo. Tu es libre de cliquer sur le lien juste en dessous pour pouvoir avoir accès à ma formation « Comment créer ton business en ligne ». Il y a une formation de 6 vidéos. Je partage avec toi 25 idées de niche rentable, comment créer ton offre, ton tunnel de vente. C'est complet, je pourrais faire payant cette formation sans problème. Ok, donc clique juste sur le lien juste en dessous et nous on se voit dans une prochaine vidéo. On reste déterminé, on lâche rien ou pas?